لي بلوكاوه سبتمبر اكتوبر. ومن بعد واش داروا؟ شوفوا واش داروا سبحان الله. على بالكم زمان في الجزائر كانت عندنا عدالة التليفون، دوكا ولات عندنا اقتصاد التليفون. لي بروديكتور دو لي ولا دو برودوي لي تي تقلقوا ما فهموش، قال لك انا با كومبري بوركوا لي ديروغاسيون سانيتير سون انولي، بوركوا لي ديروغاسيون سانيتير سون انترديت، ما فهموش. Donc ils ont essayé de comprendre, ils ont contacté le ministère de l'Agriculture qui lui-même, celui qui accorde, c'est l'instance, c'est l'institution qui accorde les autorisations sanitaires, les dérogations sanitaires. D'ailleurs, il y a le ministère de l'Agriculture. Il m'a répondu à l'homme. Il y a une dame, entre octobre, une dame du ministère de l'Agriculture. Un truc qui... Smehoulé par qui est-ce. Ça, c'est la montre qui sonne. Voilà. Comme ça, on ne va pas nous emmerder. Donc, il y a une dame du ministère de l'Agriculture qui appelle au téléphone sans s'identifier, sans se présenter, et qui appelle tous les producteurs de lait en Algérie et tous les producteurs de produits laitiers. Ou nous vous avons, le gouvernement vous instruit, il vous demande et il vous donne l'ordre de ne plus conclure n'importe quel contrat avec vos fournisseurs à l'étranger et d'arrêter les négociations avec vos fournisseurs à l'étranger et de ne plus commander ni d'importer de la poudre de lait et d'arrêter d'appeler, de demander au gouvernement de vous donner les dérogations sanitaires. Le téléphone. Aïtatelham. Adil Mara, ni elle a donné son identité, ni un fax, ni un mail, ni un document, ni instruction. Mais qu'il n'y a aucune preuve traçable. Mais qu'est-ce qu'une preuve traçable? Ouah, il y a été le téléphone, il y a eu le cas, ma, حبس الخدمة تاعك مازيش تخدم الحكومة راهي تقول لك اي حكومة تمشي بالتليفون دوبوي كون يا جماعة ان غوفرنمون ولا ان ايطا جير ليكونومي دان بي افيك لو تيليفون يا 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 il faut qu'il y ait des documents, il y a un journal officiel, il y a des documents, il y a des instructions, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, mais nous sommes en 2022, bon sang. المرأة هذيك ما حبش même pas تقول اسمها. La majorité مساكن تاع لي بروديكتور خافوا. Mais à la belle comme, je vous dis que ça va être le bas, ou le hirak, ou la répression, ou les hadars doivent faire le bas, ou les gens qui font le Facebook, ou le habs, ou donc personne, ils ne voulaient même pas contacter les médias tellement ils ont eu peur. Ils, la majorité, ont appliqué l'instruction verbale, téléphonique. Donc ils ont arrêté de négocier avec leurs fournisseurs, ils ont arrêté de faire la pression pour demander des dérogations sanitaires, ou des usines entières, des unités de production de lait et de produits laitiers, ont été mises à l'arrêt. Et leurs employés mis au chômage technique. Certains de ces employés ont été limogés, licenciés, parce que les usines ne travaillaient plus pendant plus de 3 mois. Où je dis à qui sont la crise, où le peuple ou les réseaux sociaux, on ne trouve plus de lait, où est le fameux sachet de lait subventionné, nous n'arrivons plus, même le lait indien, ou le lait pasteurisé qui était vendu 60 ou 70 dinars, mais cash. Qui sont les balbala kbira? Ou bien on a dit qu'il y a un climat social en ébullition. Le régime algérien a attendu le 22 décembre 2021 pour débloquer les dérogations sanitaires. Mais c'est une preuve de l'histoire. Tout ce que je vous raconte, allez-y, appelez ou la vérifiez auprès de n'importe quel producteur de lait. Ou dites-lui, est-ce que cette histoire est là ou est-ce que c'est là? Jusqu'au 22 décembre, ils ont débloqué les dérogations sanitaires pour autoriser les importations de la poudre de lait. Ou les autorisations à deux limites de le 22 décembre 2021, où je fais d'abord, ils ont une durée de validité de 3 mois. Ou deuxièmement, vous n'êtes autorisé à importer que depuis les pays de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud. Ou t'as atteint 3 mois. Le fabricant algérien, tu n'as pas le droit d'importer depuis la France, ni depuis l'Europe, ni depuis la Hollande, ni depuis les pays du Maghreb ou les pays méditerranéens. Tu dois trouver un fournisseur, l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande, ou l'Amérique du Sud. Sauf que pour ramener la poudre de lait depuis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, depuis l'Amérique du Sud, il faut négocier avec un fournisseur, faire un contrat avec lui, le payer, ensuite trouver le fret maritime, le transport maritime. Le transport maritime, ou la rallye, je m'en, parce que depuis 2021, on a en Algérie, sur Algérie Park, le transport maritime est en crise et les prix ont augmenté depuis pratiquement le deuxième semestre de 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie énorme de conteneurs. À
cause de la relance économique mondiale qui a commencé à la fin du premier semestre de l'année 2021, il n'y avait pas assez de conteneurs pour pouvoir transporter toutes les marchandises qui étaient commandées, notamment parce qu'en Chine, beaucoup de conteneurs étaient bloqués à l'étranger et que la Chine ne pouvait pas les rapatrier parce que la Chine avait encore fermé son territoire et elle ouvrait son territoire et ses ports de manière drastique. Et au compte-goutte, elle accepte l'évolution des indicateurs sanitaires. Où est le prix du conteneur, par exemple, depuis l'Asie, ou depuis l'Amérique du Sud vers l'Algérie, le conteneur coûte pratiquement plus de 8 000 $. Alors qu'avant, il coûtait 1 200 $. C'est une femme omelette. Zid, les produits alimentaires ont tout explosé. Les prix des produits alimentaires ont explosé sur le marché mondial. À cause de quoi? À cause de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. La tente qui met le soja, qui met le blé, qui met les viandes, qui met les huiles végétales, la poudre de lait, elle est passée de 2 600 euros à 3 600 €, la tente. De 2 600 € à 3 600 € la tonne. On parle à des prix, c'est de la fin de l'année 2021 et ce début janvier 2022. Donc 8 000 $ pour le conteneur et la poudre de lait, il faut la transporter dans des conteneurs. C'est pas comme les navires vraquiers, parce que tu as deux types de transport de marchandises par voie maritime. Tu as le vraquier qui est pour transporter le blé ou le soja ou tout ce qui est graines. Ça, t'as pas besoin de conteneurs, mais les autres produits, tu as besoin de conteneurs. Les vraquiers, les prix sont plus ou moins stables, ont augmenté, mais ont commencé à baisser à la fin de l'année 2021. Mais les conteneurs, leurs prix sont toujours en train d'augmenter parce que la demande mondiale, elle est forte. Et les armateurs, les fournisseurs et le nombre des conteneurs disponibles à travers le monde n'est pas suffisant pour répondre à la demande mondiale. À table, en 3 mois. Elle s'est dit, comment en 3 mois, le transport maritime, dès le contrat avec le fournisseur, ou tu la poudre de lait ou tu la vers un port algérien. Laisse-moi minimum 4 mois. J'ai discuté moi-même avec des fabricants de produits laitiers. Ils m'ont dit, ce n'est pas possible. Laisse-moi minimum 4 mois. Je vais te la poudre de lait de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie ou de l'Amérique du Sud. Ou tout le chicon en règle. Je vais te la quand ça va arriver vers un port, vers les ports algériens, à Alger ou à Oran, il y a des contrôles douaniers, il y a des contrôles médicaux. Il faut contrôler, voir est-ce que la poudre elle est conforme, est-ce que conforme aux normes sanitaires, etc. Donc c'est un processus. Donc même au niveau des ports algériens, ça prend du temps. Cela signifie quoi? Cela signifie que le régime algérien, dès le départ, il a inventé sciemment des obstacles pour ralentir les importations de la poudre de lait et pour casser la facture des importations de la poudre de lait qui est de 1,5 milliard de dollars, parce qu'il n'a ça jusqu'à moins de 1 milliard de dollars, ou il n'a cela quelques centaines de millions de dollars, pour faire croire ensuite aux Algériennes et aux Algériens que Tebboune a réussi à diminuer les dépenses des devises de l'État, à diminuer la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de l'étranger et que la balance des paiements et la balance commerciale du pays, c'est-à-dire la différence entre ce que nous importons et ce que nous exportons, ça c'est la balance commerciale. La balance des paiements, c'est la différence entre ce que nous gagnons comme argent depuis l'étranger et ce que nous sortons comme argent vers l'étranger. C'est en train de s'équilibrer, ce qui est complètement faux, ce qui est une grossière manipulation. C'est-à-dire que pour faire plaisir à Tebboune et lui offrir un bon bilan pour qu'il puisse se faire passer dans les médias pour un bon président, on est en train d'affamer les Algériens. Parce que quand tu prives un peuple du lait, le lait c'est quand même l'aliment de base, et je rappelle que l'Algérien est un grand consommateur de lait. Nous avons une moyenne de 167 litres par an, alors que la moyenne mondiale elle est de 87 litres par an. La moyenne mondiale, l'être humain boit 87 litres de lait par an. L'Algérien boit 167 litres de lait par an. Nous sommes pratiquement le premier consommateur de lait sur le continent africain. Nous avons en tout cas la consommation par habitant la plus forte. Quand tu prives les citoyens de ce lait, tu es en train de les affamer. Maintenant, il y a des théories qui disent que les Djazaïriens boivent beaucoup de halib. Ils doivent réduire le halib. C'est l'autre. Les Djazaïriens boivent beaucoup de halib et ils mangent beaucoup de khoubz. Parce que c'est des prix subventionnés.